Alors, dans cette leçon-ci, on va parler de la douane. Vous savez, souvent qu'on entend parler de douane, on se dit que c'est très compliqué et que ce sera un peu difficile à comprendre. Eh bien non, la douane est très simple à comprendre et je vais démystifier cette notion ici et maintenant. Alors, qu'est-ce que la douane? La douane, c'est la porte d'entrée de tous les produits dans un pays. Donc, vu que je suis aux États-Unis, pour tout produit qui vient de l'étranger, que ce soit la Chine, le Japon, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, le Cameroun, peu importe le pays étranger qui n'est pas les États-Unis, ce produit doit passer par la douane. Et quand un produit arrive à la douane, ce produit se doit de payer des frais de douane. Ils ont déjà une grille de prix prédéterminée. Si j'ai donc payé des produits en Chine de l'ordre de 1000 dollars, pour un total de 1000 dollars, et que ce sont des produits en plastique, quand ça arrive à la douane ici, la douane va sortir sa grille prédéterminée de prix. Dans le cas du plastique, on a 3%. Ils vont prendre 3% et multiplier par la facture totale donnée par le manufacturier, dans ce cas-ci, 1000 dollars. Alors, ce que j'aurai à payer, c'est quoi? C'est 1000 dollars fois 3%, soit 30 dollars. En d'autres mots, la douane, c'est juste un pourcentage à payer sur la facture générée par le manufacturier. Aussi simple que ça. Donc, la prochaine fois qu'on va parler de douane, you got it.